Mais qu'est-ce qu'il fout, Musclor? On a une finale à gagner, nous! Hé, ça y est! Le flat qui arrive! Waouh! Elle est belle, hein? Waouh! On a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher, et devinez? Comme chauffeur! Volant, l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone! Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Itof! Ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Vomito? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être discrédifiés. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail, ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Appuie sur le champignon. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la mayo. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion. Taisez-vous ou je fais demi-tour. Hey, monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, hey, ferme ta boîte à camembert! Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, eh ben, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, hein, monsieur! Essayez de penser à votre banquette! Oh! Plus vite! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi! Oh, je te ferai me foutre la chocotte! Gaffez-vous, les gars! Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt! Bon alors les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture? Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu? Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, bah, il travaille pas trop souvent, ben maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Y en a pas une qui est rouge en dessous.
Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos quatre monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage? Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, allez-y, je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Oh. Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Ah! Hé, papa! Je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0! Oh! Hé, mais t'as retrouvé la voiture! Cool! On va pas rentrer à pied! On a gagné! Les doigts dans le nez! Ils ont perdu! Les doigts dans... Allez, n'oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle! Mais bien sûr! Le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle! Les doigts dans... On a gagné le match, 3-0. Et Popo, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? Et c'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito, il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre mari, madame. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine?